Salut à tous. 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous. Donc, vidéo aujourd'hui. Je vérifie qu'on est en ligne quand même bien. Vidéo aujourd'hui sur comment télécharger les images aériennes sur le site de l'IGN et comment les visualiser et comment ensuite comment les télécharger, les agréger, les visualiser sur QGIS. Alors, pourquoi? Alors, vous n'hésitez pas déjà à souscrire à la chaîne, vous abonner, faire des dons, voilà, ça serait super. Est-ce que le son est si mauvais que ça? Ça, je vous pose la question, je vous laisse répondre dans le chat. Merci pour les likes. Alors, aujourd'hui, normalement, j'ai enlevé le délai, donc il n'y a plus les délais de 30 secondes quand vous parlez et quand je réponds. Donc, on est en direct live de chez Live. Donc, voilà, si vous allez sur le site de l'IGN, et en l'occurrence Géoservice BD Ortho, mais c'est vrai pour à peu près pas mal de données. Vous mettez dans le chat. N'hésitez pas à vous abonner, à vous faire des dons, à poser des questions sur le live. Et si vous avez besoin d'assistance professionnelle dans le domaine des SIG, n'hésitez pas à me contacter. Et dites-moi si le son est pourri ou pas dans les commentaires ou dans le chat du live. N'hésitez pas à vous abonner, c'est pas le cas. Alors là, on est sur les BD ortho de l'IGN, donc sur le site Géoservice. Et vous avez les images aériennes 2020 qui commencent à sortir en fonction des départements. Sinon, vous avez les images aériennes 2018-2017. Je vous laisse aller voir sur le site de l'IGN pour voir sur votre département avec quelle image, la date des images aériennes qu'ils vous fournissent. En fait, alors du coup, moi je prends le 06 parce que je suis 06. Enfin bref, mais c'est vrai pour toutes les images aériennes et de manière générale pour toutes les images raster que fournit l'IGN. Pour une grande partie en tout cas, ce qui se passe, c'est que vous avez, par exemple, si je veux l'image aérienne du 06, il faut que je télécharge ces fichiers-là, ces 5 fichiers-là. D'accord? Il faut absolument les télécharger. Ils ont des formats spéciaux: 7Z001, 7Z002, 7Z03, 7Z04, 7Z05. Et en gros, pour avoir les données, les images aériennes 2020 sur le territoire des Alpes-Maritimes, il faut absolument que je télécharge ces 5 fichiers. Ces 5 fichiers font partie d'un tout. Si j'en prends un ou deux, je n'aurai jamais l'image aérienne en global. Et quand je les télécharge, on va voir un peu dans le dossier. Voilà. Je télécharge, voilà ce que ça donne. 5 fichiers différents au format, et comme vous voyez, Z4, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Pour être en mesure d'avoir une donnée finale, parce que là c'est pas la donnée finale, c'est juste des fichiers qui forment un tout, mais là ce sont des données brutes, vous n'avez rien, vous pouvez ouvrir un, ça ne vous servira à rien. Il vous faut ces 5, tous les fichiers constituant l'image, le fichier raster, la donnée que vous voulez avoir sur votre SIG. Vous allez après sur le site setzip.org et vous téléchargez le fichier qui correspond soit à votre OS, d'accord? Je le mets dans le lien de la description, dans le chat. C'est très important. Donc téléchargez bien. Moi, j'ai téléchargé le 64 pour Windows. Et sur le site de l'image aérienne, pour les 06, j'ai téléchargé ces 5 fichiers-là. D'accord. Comme vous les avez vus là, ils font chacun 4 gigas. C'est pas compliqué, ils font chacun 4 gigas. Une fois que j'ai téléchargé ces fichiers, je vais sur cette Zip File Manager que j'ai téléchargé juste avant. Je vais dans ordinateur, Attends, non, est-ce qu'il y a moyen d'aller plus vite que ça? Là, je me suis engagé dans un truc, je suis déjà dégoûté. Documents. Voilà, alors là, je suis sur mon PC, mon travail de cette zip. Je vais dans Download. Et là, j'ai mes fichiers. Donc, ce que je fais, 1, 2, 3, 4, 5, je les sélectionne indifféremment et je fais extraire. Il va me demander où les extraire, donc je reste dans le téléchargement, je reste dedans. Je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler Ortho 06 2020. Je sélectionne ce dossier, je fais OK et OK. Et là, voilà, là ce qui va se passer, c'est qu'il va les extraire progressivement et il va les refusionner en les extraire. Il va les extraire, donc les dézipper parce que le format 7Z, c'est un format ultra zippé, il va les dézipper. Et les dézipper, les fusionner, les mettre dans mon dossier global. Très très important parce que si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas avoir accès aux données. Dans le dossier que j'ai créé, là je vais avoir accès aux données qui vont être, elles, visualisables sous QGIS. Donc, très 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 important. Et voilà, c'est pas aussi simple que ça. Enfin, si c'est simple, mais il faut le savoir. Et donc il vous faut absolument le fichier SetZip Manager. Je suis sûr que sur le site de l'IGN, ils ont mis cette procédure en place, comme je l'ai fait aujourd'hui et que voilà. Je tenais à partager ça parce que si on ne le sait pas, ben voilà, on ne le sait pas. Et du coup, voilà. Donc là, je partage. Donc, vous voyez, il est en train de dézipper les fichiers et de les fusionner. Donc, c'est vrai pour les images aériennes sur le site de l'Ortho.
sur le site de l'IGN, là j'ai pris l'image IGN, mais c'est vrai pour tous les fichiers raster en soi. Si je vais sur plan d'IGN, pareil, vous voyez par département, ils sont aussi zippés et atomisés par fichier. On laisse extraire. Donc pour être généré, ça m'a pris un peu de temps. Donc il y en a 4 fichiers de 4 gigas. Et là, il est en train d'extraire. Donc voilà. Ça, c'est un brin. Est-ce que le son est bien ou pas? Vous pouvez me dire là, sur le chat si le son est bien pour les personnes qui sont encore présentes. N'hésitez pas à le dans les commentaires. On a quelqu'un compte Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram. Et puis voilà. Attendez. Je vous mets le lien vers le compte Instagram ou bien? Ouais, je vous mettrai plus tard. Je ferai une vidéo que sur le compte Instagram et sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc là il extrait progressivement, et si je vais dans le fichier de dossier que j'ai créé, voilà, il commence à extraire et à fusionner les pièces les données constituant mon image aérienne. Vous voyez là il est en train de télécharger. Alors autre point important, c'est que ces fichiers là sont atomisés par tuiles, d'accord, sont atomisés par petite image de 95 mégas en JPEG 2000, un fichier compressé. Alors, je vais ouvrir un QGIS. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça va encore. Et ensuite, eh ben, on va voir que le résultat final de nuage arrive. Donc, là, je laisse avoir une métadonnée pour la BD Ortho 2020. Les données sont en Lambert 93. Donc voilà, ça c'est comment avoir les images aériennes en fichier en local. Pour la France, d'après une source IGN. Donc ça c'est le petit truc. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, hein, oui, je vois que le son est pas mal. Parfait. Enfin, en tout cas, vous m'entendez bien, ça capture bien. Donc voilà, donc plan IGN, pareil. On va faire un peu le tour des données puisqu'on a un petit peu le temps. Donc plan IGN, ça c'est pas mal du tout. Vous avez les services web aussi qui sont gratos, puisque maintenant les clés WMS et WFS sont devenues complètement gratuites. Donc on va aller voir ça. Librement, donc on va aller au service web machin, agriculture, altimétrie, en savoir plus, carte. Si je fais carte, donc sur des services, on voit WMST et WMS, et vous avez, je crois que vous avez du WFS. Là. On va prendre au hasard le service carte, WMST, je copie, je vais mon QGIS, ajouter. Enfin, ils ont facilité l'accès au web service IGN. C'est pas trop tôt. Merci à l'IGN quand même pour ces fabuleuses données. C'était pas facile hein, jusqu'à début d'année quand même. Hein. Même si ça, ils ont bien démocratisé avec le temps. Démocratisé. Voilà. Tac, connexion. D'accord, parce que là, certificat de connexion. Ok, c'est bon. Moi je valide, hein. J'ai pas de soucis avec. Enregistrer, ignorer, ah, connexion. Voilà, et donc là, on va prendre le plan d'IGN V2, je l'ajoute, bam, et voilà. Ils l'ont fait sur toute la Terre, franchement, c'est vraiment bien. Et là, on voit le plan d'IGN V2 en raster, en WMS sur mon PC, tac, 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 super, génial, wonderful, voilà, un bon petit plan raster des familles. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a d'autre en attendant. Plan terrier, plan hygiène, puis un cas mondial pour la mini-vue. Donc, pensez à tout. Carte topographique, bien français, état-major. Donc, voilà. Vraiment, scan 50, dommage. Ça ne s'arrête pas aussi. Dommage, ça ne va pas au scan 25. Bon, après, je sais que scan 25 est un peu dupé. Hein. Bon, franchement, c'est l'air fluide. Hein, franchement. Après, c'est hygiène plus 1, donc ça a l'air pas mal. Hein. C'est fait un fond de carte pour vraiment afficher vos cartes, vos données par-dessus. Donc, j'aime bien. Ah, pour rien, c'est le bout de main, il ne faut pas descendre trop bas. Ça en est où? Bon, voilà. Et une fois que ce sera fait, on peut commencer à les voir déjà. Là, vous voyez, on va prendre les petites tuiles, on va les mettre. Donc là, il y en a mis quelques-unes. Si je zoome sur la couche, voilà. Et vous voyez là, les tuiles ajoutées. Donc, Ortho 2020, bonne précision, bonne résolution, nickel.
Lambert 93. Et si, et alors, donc il va générer énormément de tuiles, hein, il y en aura des milliers et des milliers. Une fois que vous avez toutes les avoir, vous faites un raster virtuel et vous aurez une couche raster, un raster virtuel qui va faire toutes vos couches, vos tuiles, JPEG 2000, qui vous permettra d'avoir une image globale dans un fichier. La qualité est bonne. Hein. Donc voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Donc 7zip manager, il faut le télécharger. Et une fois que vous avez téléchargé, vous téléchargez vos données compressées. Qui sont au format 7z012345. Vous prenez cette manager, vous les sélectionnez tous, vous faites extraire, et là, dans un dossier, là, il va tout vous télécharger. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Bonne soirée, ciao ciao. Si, et en tout cas, tu vas générer énormément.